Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétable. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Ok famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Vous savez que Suspect 95 a perdu sa femme. Et on ne peut pas lui la ramener. Vous comprenez un peu? Voilà, on ne peut pas lui ramener sa femme. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose de bon pour lui. Depuis ma première vidéo sur le sujet, je vous avais dit que j'avais mis le lien de sa participation aux nominations aux MTV Music Awards. Et je vous ai dit la meilleure manière de consoler Suspect 95, la meilleure manière de donner de la force, du courage à Suspect 95 de revenir au top niveau pour sa carrière musicale, c'était de lui donner ces deux trophées-là. Et on peut lui donner ces deux trophées-là en votant massivement. Je dis bien massivement. Le lien pour les votes est dans toutes mes vidéos jusqu'à ce que Suspect 95 nous ramène ces deux trophées-là dans la description. Allez, dépliez la description. Cherchez le lien, il est attaché en haut. Vous cliquez dessus, vous allez voter massivement sur les deux nominations de l'artiste. Parce que c'est un coup dur. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est de perdre un être cher. Vous savez pas ce que c'est de perdre quelqu'un avec qui vous faisiez un. Voilà, quand même, la mère de mon enfant me lâche. C'est un coup dur. Voilà, c'est un coup dur. Qu'il est marié ou pas, c'est sa femme et il aimait vraiment beaucoup. Et je pense que nous, en tant que fans, nous, en tant que mélomanes, nous, en tant que faiseurs de vidéos pour promouvoir notre musique ivoirienne, je pense que, en plus des yakos que nous allons lui adresser, je pense que la meilleure des manières pour que Suspect 95 soit fier, même si on ne pourra pas lui ramener sa femme, c'est de lui donner ces deux trophées-là. Donc, il faut voter. Partout où vous verrez le lien sur les réseaux sociaux, il faut cliquer et voter massivement pour donner la force à Suspect 95. Parce qu'il le mérite amplement. Vous savez très bien que c'est une valeur sûre de notre musique ivoirienne. Donc, je ne souhaiterais pas que ces deux trophées-là, chose de lui échapper. Le petit, il a bossé. Il a bossé grandement. Tous ces hits qu'il a sortis en 2019 et en 2020 ont été des hits à succès. Donc, je pense qu'il mérite amplement ces deux titres-là. Et bien qu'il est méritant, je pense que c'est avec nous, c'est avec nos participations, c'est avec nos votes qu'il pourra obtenir ces trucs, ces trophées-là. Voilà. Donc, continuons de voter pour Suspect 95. Continuons de lui donner la force. Continuons de lui démontrer notre amour. C'est comme ça qu'il sera fier. C'est comme ça qu'il pourra, petit à petit, avoir le moral et revenir continuer sa carrière. Revenir continuer son rap ivoire. Revenir continuer sa musique. Parce que, certes, madame est partie, mais il y a ta progéniture qui est là. Il y a ta fille qui est là. Qui compte sur toi et qui n'aimerait pas que tu sois triste, que tu abandonnes ta carrière. Donc, il faut penser à elle et revenir au meilleur de ta forme. Que Dieu accorde le paradis à ta femme, que son âme repose en paix. Et sache que nous sommes de tout cœur avec toi. Sache que le peuple ivoirien est derrière toi et on fera tout pour te ramener ces deux trophées-là, pour te consoler. Ce sera notre yako pour toi. Donc, chers abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le lien est dans la description. Allez voter sans vous gêner. Je dis bien voter sans vous gêner. Partagez le lien pour les nominations de Suspect 95 au MTV Music Award. Dans tous les groupes Facebook, dans tous les groupes WhatsApp, demandez à vos amis, à vos connaissances d'aller voter pour Suspect 95. Voilà. Parce que ces deux trophées-là ne doivent pas nous échapper. Moi, j'ai confiance aux Ivoiriens. J'ai confiance en vous que les Ivoiriens peuvent manifester à l'endroit d'un artiste. Et vous allez le faire avec Suspect 95. Ce sera notre diable pour lui. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas beaucoup de millions, mais je pense que en tant que mélomane, en tant que fan, c'est comme ça qu'on doit lui démontrer notre amour. Voilà. Donc allez voter massivement, chers abonnés. Voilà. Il y a Kérosène aussi qui est nominé 3 fois aux African Talent. Voilà, Award. Donc c'est que des nominations pour nos artistes ivoiriens. Suspect 95, artistes rap ivoire, Kérosène, artiste monument du coupé décalé. Et je pense que il faut aussi penser à voter massivement pour cet artiste-là qui fait pas trop de bruit, mais qui excelle dangereusement à l'international et qui fait la fierté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, allons voter pour Kérosène. En tout cas, moi, Kérosène, c'est un artiste qui me plaît beaucoup. C'est parce que, bon, je sens pas trop son actualité, même s'il tourne beaucoup.
C'est pourquoi j'en parle pas trop, mais vous savez très bien que j'ai parlé quand même nombreusement de l'artiste Kerosene sur cette chaîne Héritage de Sœur TV. Kerosene est nominé en tant que, je crois, meilleur artiste africain de l'année, meilleur son de l'année et puis une autre nomination. Je pense qu'il mérite. Je pense qu'il faut aller donner la force à DJ Kerosene parce que c'est bien beau. C'est bien beau tout ça. Mais hormis d'acheter ses CD, hormis d'aller à ses concerts, à ses choses aisées, à ses spectacles, c'est comme ça qu'on peut rendre fier un artiste en lui donnant des trophées, en lui donnant beaucoup de trophées. Parce que demain, s'il prend sa retraite, c'est avec ces trophées-là qu'il verra qu'il n'a pas décidé de faire la musique pour rien en fait. Ce sont ces trophées-là qui seront sa consolation, qui seront sa fierté. Donc, sortez massivement, votez pour DJ Kerosene. Les fans de Kerosene qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez trouver le lien de DJ Kerosene et votez en tas, comme on le dit. Votez, 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 votez pour que DJ Kerosene et Suspect 95 remportent leur nomination. Et pour terminer cette vidéo, parlons d'Ariel Shelley et de Safari Lobianc. Deux artistes qui ont fait beaucoup de bruit pour dire que je suis fort que toi, tu n'es pas fort que moi. Bon, Safari a sorti accéléré, tu me plais bien, bientôt il sort le dollar. En tout cas, c'est bien, en tout cas, il bosse, il bosse, il bosse. Même si le morceau n'est pas en train de cartonner comme ses autres morceaux, au moins, il est en train de se défendre pour relever ce coupé décalé là. Il y a aussi Ariel Shelley qui a sorti Kumbala, qui est à plus de 400 000 vues actuellement, qui se comporte très bien. Mais je le sens un peu trop timide, trop absent. Je vous sens pas trop. Safarel et Ariel Shelley, parce que c'est vous qu'on regarde maintenant. Voilà, Debordeaux n'a plus rien à prouver. Mix n'a plus rien à prouver. Kijivara n'a plus rien à prouver. Serge Lenoir, même lui, n'a plus rien à prouver. Voilà, parce que lui, bon, c'est Monsieur Chanson. Il enchaîne des morceaux comme s'il ne respirait plus. En tout cas, très fier de cet artiste à Serge Lenoir, au passage. Mais on ne sent pas Safarel et Ariel Shelley. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez donner raison aux gens qui disent que c'est Arafat qui mettait de la lumière sur vos talents, sur vous? C'est vrai peut-être, mais je pense que vous êtes bourré de talent. Je pense que vous méritez votre succès. Donc, il faut vous manifester. Il faut le démontrer. Parce que jusque-là, là, je ne sais pas si vous n'êtes pas bon animateur sur les réseaux sociaux, mais vos musiques sont sorties. Vos musiques sont très bonnes, mais vos musiques ne cartonnent pas. Voilà, il faut faire bouger les choses. J'espère que le dollar de Safari Lobianc nous fera danser. Mais il faut dire que Kumbala de Ariel Shelley, c'est un morceau tranquille pour nous faire kiffer, pour nous faire bouger la tête en nightclub. Mais on veut plus que ça. Voilà, on veut plus que ça. Moi, je sais de quoi vous êtes capable. Vous êtes pétri de talent. C'est pas quelqu'un qui va vous le dire. Et donc, il faut vraiment vous mettre au travail, quoi. Il faut vraiment vous mettre au travail. Il faut faire bouger les choses. Voilà, on a besoin d'entendre vos mélodies, on a besoin de danser sur vos chansons. Je vous sens un peu trop timide, trop silencieux. C'est pourquoi je viens faire cette vidéo-là, pour vous titiller un peu, pour vous interpeller, pour vous dire que nous sommes là, on vous attend, on est en décembre là. Voilà, on se prend demain. Ciao, ciao.